Le traumatisme reste profond au sein de la société indienne depuis le viol subi par une jeune fille à New Delhi en décembre dernier. Pour protéger les Indiennes, trois étudiants ingénieurs de l'université de Chennai, dans le sud du pays, ont trouvé une parade. Ils ont créé un dessous féminin très spécial, muni d'un appareil électrique. Le violeur est sûr de recevoir une décharge électrique. On vient nous voir pour nous demander si la femme elle-même ne risque pas d'être électrocutée, dit cette étudiante en ingénierie. Eh bien, c'est impossible car un isolant se trouve dans le sous-vêtement pour éviter le choc électrique. En Inde, la loi est peu sévère à l'encontre des violeurs. Très souvent, ils ne sont pas punis et les femmes ont peur. C'est très difficile de sortir de la maison pour les femmes, témoigne cette jeune fille, spécialement ici dans la ville de Chennai, dans les trains et les bus. Alors, ce sous-vêtement protecteur peut être utile. Mais ce qu'attendent surtout les Indiennes, c'est que l'électrochoc provoqué par le viol et l'assassinat de décembre dernier ait de véritables effets politiques et judiciaires.